dans le village des prairies. Oui, c'est ça. Le dans le village des prairies, mais là, maintenant, avec les merveilleuses réformes de notre ministère de la Santé, c'est je ne sais plus dans quel sens de côté. Et donc, sans plus attendre, je te passe la parole. Parfait. Bon, mais ça me fait plaisir d'être ici. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler un peu de mes travaux. Comme Dave vous l'a dit, j'ai fait mon doctorat avec Laurent Motron, qui est à l'Université de Montréal. Et donc, depuis tout début, je m'intéresse aux personnes autistes, puis plus particulièrement à la façon dont ces personnes-là développent leur capacité d'apprentissage, puis leur capacité de raisonnement. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est différents travaux que j'ai faits avec les années, avec mon laboratoire. Puis, je vais entre autres vous présenter les superbes travaux de mon étudiante Valérie, qui est là cet après-midi. J'espère que je ne dirai pas de niaiserie. Le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme comprend deux grands domaines qui doivent être particuliers pour qu'on puisse poser le diagnostic. Maintenant, avec le DSM-5, on parle de déficit dans la communication sociale puis les interactions sociales. Puis, on parle aussi du caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts, des activités. Ça, ça peut comprendre des particularités sensorielles, des intérêts pour les parties d'objets, des intérêts très, très forts pour des domaines de connaissances ou des propriétés du monde qui les entoure. On doit avoir des particularités dans les deux domaines pour avoir le diagnostic. Dans ce diagnostic-là, il n'y a aucune mention qui est faite des particularités cognitives des personnes autistes. Pourtant, ces particularités-là sont bien présentes, puis ça fait au moins 50 ans qu'il y a de la recherche qui se fait là-dessus. Mais le diagnostic continue de se faire uniquement sur des comportements, alors qu'on a un phénotype cognitif assez marqué chez les personnes autistes. Puis là, comme j'ai pas mon mode présentateur, je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Ah oui, c'est ça. Donc, donc c'est ça. Quand on regarde parmi les intérêts des personnes autistes, puis leurs habiletés, puis parfois leurs talents en particulier, on voit plusieurs choses qui ont rapport à la perception de leur environnement. Par exemple, si on pense à l'hyperlexie, donc plusieurs enfants autistes, une minorité, mais quand même significative, d'enfants autistes apprennent à lire par eux-mêmes avant l'âge scolaire, à 2 ans, 3 ans, certains savent lire, puis personne ne leur a montré. Certains enfants autistes développent aussi un intérêt pour les calendriers. Ils sont capables de dire très, très rapidement à quel jour de la semaine correspond une date précise. Par exemple, pouvez-vous me dire quel jour de la semaine était le 3 janvier 1924? OK? Puis là, ben, ils sont capables de répondre. Ou, dites-moi, toutes les années où le 7 janvier était un jeudi. Bonne chance. Certaines personnes y arrivent, et y arrivent très, très rapidement. Puis, chez certaines personnes, ils ont cette habileté-là. Puis, par ailleurs, on a l'impression qu'ils sont limités sur le plan intellectuel. Mais pourtant, ils sont capables de faire du calcul très, très compliqué parce que pour être capable de calculer le jour de la semaine qui correspond à une date du calendrier, il existe une espèce d'algorithme, mais qui se répète aux 28 ans. Okay? Fait que donc, le raisonnement mathématique derrière est assez poussé, OK? Puis ça peut devenir très spectaculaire chez des enfants qui ont par ailleurs des limitations plus importantes dans leur vie quotidienne. Il y a aussi des capacités, soit des capacités d'orientation spatiale ou des capacités mnésiques qui peuvent être assez particulière, des enfants qui développent des intérêts, par exemple, pour soit les horaires de train, les cartes de métro, les trajets d'autobus, tout ça, puis qui sont capables de vous les dire. C'est ici, c'est le métro de Londres, qui sont capables de vous les dire au complet. Ensuite,
Certains enfants développent des capacités musicales, sont capables de reproduire des pièces au piano, même des pièces entendues quelques mois auparavant, sont capables de les reproduire. Ça dépasse clairement les capacités d'apprentissage de beaucoup de gens autour d'eux. On voit aussi chez les enfants autistes des comportements d'exploration visuelle atypiques. Donc, par exemple, ce qui est illustré ici, c'est un regard rapproché puis un regard latéral. Il y a beaucoup d'exploration de leur environnement qui se fait avec ces regards-là, puis on pense que ça reflète des particularités au niveau perceptif. Ça, c'est un exemple que j'avais trouvé chouette. Là, c'est un enfant autiste qui, tout petit, qui faisait le trajet avec sa maman chaque matin pour aller à la garderie. Puis, quand il avait 3 ans à peu près, elle s'est rendue compte qu'il avait mémorisé toutes les plaques d'auto sur leur trajet pour aller à la garderie, mais donc une centaine de plaques d'auto avec à quelle maison ça correspond. Puis, à un moment donné, elle s'en est rendue compte parce que la personne avait changé de voiture, donc la plaque ne correspondait plus à la bonne voiture. Elle s'est rendue compte qu'il avait tout mémorisé ça. Une autre capacité qui est souvent retrouvée, c'est les capacités en dessin. Je ne sais pas si vous avez vu les œuvres d'art de Stephen Wiltshire, je ne sais pas, en tout cas, un Britannique autiste qui a maintenant une galerie d'art et qui, c'est celui que vous avez peut-être vu dans des vidéos sur YouTube où on l'amène en hélicoptère survoler une ville une fois, puis redessine toute la ville au complet. Ici, c'est pas un dessin de lui, là, mais c'est pour vous dire que c'est une habileté qui se retrouve chez un certain nombre de personnes autistes. Ici, c'est un jeune adulte autiste qui avait par ailleurs un QI au niveau de la déficience intellectuelle, là, donc qui dessinait ça. Okay. Bon. Donc, dès les premières observations de l'autisme, c'est Kanner, le premier qui a fait les premières descriptions de l'autisme, il disait que leur excellente mémoire, puis leur reconnaissance ou leur compréhension des patterns puis des séquences complexes laissaient présager un bon niveau d'intelligence. Avec les, puis ça, je trouve que c'était assez visionnaire de sa part de voir ça, ces capacités-là, puis de les reconnaître en tant que forme d'intelligence chez des enfants qui, par ailleurs, avaient plusieurs limitations sur le plan fonctionnel. Puis ça, avec les années, ça, on parle de 1943, OK? Donc, il y a 70 ans. Avec les années, ça s'est perdu. Puis ce qui est comme resté dans la tête des gens, c'est surtout les limitations. Puis certains se sont mis à dire que ces capacités-là qu'on observait chez les autistes étaient des îlots d'habileté ou n'étaient pas en lien avec l'intelligence. Mais pour être capable de calculer la date, le jour de la semaine qui correspond à une date, ben ça prend des habiletés mathématiques, ça prend des raisonnements, ça prend des capacités de raisonnement qui sont, oui, je suis d'accord que c'est très spécifique, mais elles sont là quand même, puis il y a un potentiel qui est là chez ces enfants-là. Puis, c'est tout récent qu'on recommence à considérer ces habiletés-là comme pouvant être des manifestations d'intelligence chez les personnes autistes. Bon, est-ce que cette façon-là de voir les choses puis de raisonner se développe tard dans la vie des enfants autistes ou il y a des manifestations qui sont là très, très tôt? Je vous ai dit que l'hyperlexie, ça se voyait déjà à 2-3 ans chez les enfants autistes, mais c'est pas chez tous les enfants, évidemment, c'est chez une minorité. On parle de peut-être un 5%, 10% des enfants autistes. Par contre, ce qu'on observe, c'est une préférence pour les patterns géométriques qui est là, qui peut être objectivé très, très tôt dans le développement. Cette étude-là que je vous rapporte, c'est une étude qui a été faite chez des enfants de 1 an et demi à 3 ans. Okay? Donc, ils employaient un paradigme de préférence visuelle, montraient des vidéos d'enfants, puis des vidéos de formes géométriques qui bougent. Puis, les enfants
au développement typique, ont clairement une préférence pour regarder les vidéos d'enfants, puis des vidéos où il y a des interactions sociales, alors que chez les enfants autistes, soit qu'ils n'avaient pas de préférence, regardaient un et l'autre, ou certains avaient carrément une préférence pour les patterns géométriques. Puis, quand on voit ça chez les tout-petits, on peut penser que c'est quelque chose qui va teinter leur développement puis leurs habiletés tout au long de leur vie. Okay? Puis ça va avoir une influence sur leur façon d'apprendre puis sur leur façon de raisonner. OK. Puis, de fait, ben, cette approche-là différente de leur environnement se reflète dans un profil cognitif qui est fait de forces puis de faiblesses souvent plus marquées que chez les autres enfants. Ici, je vais vous montrer le profil cognitif d'enfants autistes au WISC-4, qui est une échelle... Là, c'est pas tout le monde qui est en psycho ici, là. Donc, le WISC, c'est une échelle d'intelligence qui comprend plusieurs sous-tests qui essaient d'aller mesurer les capacités de raisonnement perceptif, donc des raisonnements avec du matériel non-verbal, les capacités de raisonnement sur le plan verbal, la mémoire de travail, puis la vitesse de traitement. Okay? Puis quand on prend un groupe d'enfants ou un groupe d'adultes, mettons, on prend toute la salle ici, puis que je vous fais tous passer ce test-là, si je fais la moyenne de tout le monde, en moyenne, on va avoir des résultats semblables à tous les sous-tests. Okay? On n'a pas de grands écarts d'un sous-test à l'autre, d'une habileté à l'autre. Sur le plan individuel, on a chacun des forces et des faiblesses, mais comme groupe, normalement, ça devrait arriver pas mal plat. Chez les enfants autistes, par contre, ce qu'on voit, c'est de grands écarts entre leurs forces qui se retrouvent ici dans les capacités de raisonnement perceptif. Ici, on a un sous-test de matrice que je vais vous montrer tantôt, de bloc. Donc, un grand écart entre ça. Puis, certaines autres compétences, comme par exemple les capacités de, ça c'est le sous-test de compréhension, donc les capacités de raisonnement puis de jugement sur des situations de la vie courante. Puis, ça, je vous le dis, cet écart-là est assez important, c'est un écart, c'est deux écarts types là, par rapport à la population générale. Donc, en tant que groupe, ils ont des forces et des faiblesses très, très marquées, beaucoup plus, puis sur le plan individuel aussi, ces écarts-là se retrouvent de façon beaucoup plus marquée que chez les autres enfants. Si je vous montre dans quoi ils sont bons, parce que moi, je m'intéresse au domaine où les enfants autistes sont bons, si je vous montre les trois tests où ils performent le mieux, il y a la capacité de... Est-ce que vous voyez la souris? Il y a la capacité de reproduire un modèle qui est ici à l'aide de blocs. Donc, c'est toutes les capacités visio-spatiales, visio-constructives qui sont impliquées ici. La tâche de concept en image, on doit choisir une image en haut qui va bien avec une image en bas. Donc, on est dans du raisonnement plus conceptuel, mais sans passer par le langage. Puis ça, ils performent bien à ça. Quand on a eu, ça c'est un sous-test qui était nouveau là, dans la dernière version, dans le WISC 4, ça n'existait pas avant. Fait que quand on a reçu ce test-là, personne ne savait si les autistes allaient bien performer à ça parce que c'est du matériel non-verbal. Selon nous, ça devrait les avantager, sauf qu'on parle de raisonnement sur des concepts où plusieurs pensent que les personnes autistes ont des problèmes. Mais quand on leur montre sous forme d'image, il semble qu'ils y arrivent très bien. Ici, c'est le sous-test des matrices où là, c'est du raisonnement encore. On doit trouver qu'est-ce qui compléterait le mieux la matrice. Mais c'est avec du matériel, des figures géométriques, c'est abstrait. Okay? Puis ça, les personnes autistes performent bien. Beaucoup mieux que dans les tâches plus verbales où on leur pose des questions ouvertes du genre « Qu'est-ce que tu fais s'il y a de la grosse fumée noire qui sort de la maison de ton voisin? » Okay. Là, on est avec une question ouverte. Il n'y a pas, ça n'a souvent pas été enseigné explicitement non plus qu'est-ce qu'on doit faire. Puis, il y aurait plusieurs façons de répondre. Puis, l'enfant ne sait pas trop où aller chercher dans ses connaissances puis ses expériences passées pour arriver à trouver la réponse. OK. Donc,
on a ce profil-là de force puis de faiblesse qui est assez marqué chez les enfants autistes. Puis ce qu'on voit se dessiner, c'est des capacités de raisonnement qui sont bonnes quand on leur présente l'information avec du matériel, soit du matériel non-verbal ou du matériel organisé, systématisé, on ne sait pas trop. Puis moi, je me suis intéressée à aller pousser un peu c'est quoi ces capacités de raisonnement-là chez les enfants autistes. Ici, ça, c'est différents sous-tests d'un même test d'intelligence, le Wechsler. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé qu'est-ce qui se passait au Wechsler versus un autre test d'intelligence qui s'appelle les matrices de Raven, qui est constitué de problèmes comme celui-là. Il y a 60 problèmes de ce genre-là, toujours avec une matrice dont il manque une partie, puis on doit trouver la meilleure réponse pour compléter la matrice. C'est un test de résolution de problèmes, de raisonnement abstrait, puis qui est considéré comme plus indépendant de la culture que d'autres tests d'intelligence parce que c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école, puis ça fait pas appel au langage non plus, ni à une culture particulière ou dans laquelle certains pays pourraient être avantagés ou certaines classes sociales. C'est ça. Donc, il y a 60 problèmes comme ça de difficultés croissantes qui sont présentés dans le test. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Qu'est-ce que vous dites? C'est 5. Le 1. La bonne réponse, là, je n'ai pas mes réponses, alors je suis obligée de le faire moi aussi, mais la bonne réponse, c'est le 1. Oui, c'est ça. OK? Pour y arriver, là, tout le monde réfléchit. Là, je regarde mon étudiant pour être sûre que je ne me suis pas trompée. Ah, bon. OK. Donc, pour arriver à trouver la réponse, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais vous devez considérer plus qu'une règle à la fois. Il faut regarder ce qui se passe au niveau horizontal, il faut regarder ce qui se passe au niveau vertical, puis il faut garder ces informations-là en mémoire de travail pour trouver la bonne combinaison de caractéristiques pour arriver à la bonne réponse. Okay? Donc, ce test-là inclut des capacités d'abstraction, des capacités de mémoire de travail, de génération d'hypothèses, puis de tests d'hypothèses, puis de maintien de ces hypothèses-là en fonction d'un but qui est de trouver la bonne réponse. Okay? Donc, ça peut avoir l'air facile et anodin parce que c'est des petits points qu'on présente, mais il y a toutes ces capacités-là qui sont mises en jeu, puis qui en font le test d'intelligence le plus corrélé avec ce qu'on pense être le facteur G, donc le facteur d'intelligence générale. Je vous donne une autre chance. C'est pas gentil parce que c'est un peu difficile. Mais là, maintenant que vous êtes réchauffé. C'est là, je sais. Je l'ai retrouvé, la réponse. Un brave. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, on ne saura pas qui a parlé. Deux, quatre, huit, un, c'est ce que vous dites? Six, j'ai un six. Six ou huit? J'ai pas le présentateur. Bon, la bonne réponse est six. Alors, on l'avait eu du premier coup, bravo. C'est ça. Là, je ne sais pas si je vous l'explique ou pas, parce que sinon, ça vous fait un point bonus si jamais vous faites le test. Bon, je vais vous donner la façon dont moi, je le résous. Il y a plus qu'une façon d'y arriver. C'est la beauté de ce test-là, parce qu'on peut faire des règles différentes puis arriver à la bonne réponse. Donc, dans chaque rangée, il y a un item qui a trois éléments, un qui en a quatre, un qui en a cinq. Puis, il y a toujours un item que c'est des figures fermées, un que c'est des lignes, puis un que c'est un croisement de lignes. Puis, dans la première rangée, c'est des lignes droites, horizontales, verticales. Dans la deuxième rangée, c'est des diagonales. Puis, dans la troisième rangée, c'est des courbes. Là, si vous faites le croisement de tout ça,
vous allez arriver à, au numéro 6. OK? C'est bon? Bon. Là, je ne veux pas vous décourager, mais une personne autiste, elle aurait déjà fini depuis longtemps. Elle aurait, pendant que vous avez réfléchi à ce problème-là, elle serait rendue à la moitié du test. OK? Bon. On va y revenir tantôt là-dessus. Alors, donc, quand on compare la performance au test de Wechsler, qui est le premier test dont je vous ai parlé, avec plusieurs sous-tests qui évaluent le raisonnement non-verbal, le verbal, le mémoire de travail, peut-être de traitement, quand on compare ça avec le test des matrices de Ravel, chez un groupe d'enfants typiques, standard, on obtient des résultats à peu près semblables aux deux tests. Quand on regarde, par contre, chez des enfants autistes, ce qu'on voit, c'est que au test de Wechsler, sont au, c'est le groupe que nous, on avait. En moyenne, ils étaient au 20e percentile, puis au Wechsler, puis au 60e percentile au matrice de Ravel. Donc, on a un écart de 40 percentiles entre nos deux tests. Okay? Puis 40 percentiles, c'est pas anodin. Pour un, si on prend un enfant en particulier, ça peut passer de déficience intellectuelle à basse moyenne ou de basse moyenne à au-dessus de la moyenne. Okay? Ça peut être assez important. Oui? Juste petit commentaire, mais aussi, puisque un de ces tests-là, en fait, la différence est vraiment la partie verbale que l'enfant autiste n'a pas par oui. rapport au oui. non-autiste. Mm-hmm. Ça aussi, ça fait un grand écart. Oui, c'est ça. Ça s'explique un peu. Ici, au Wechsler, il y a toute une partie du test qui repose sur une bonne compréhension des instructions orales, des questions présentées oralement, puis il y a une partie du test qui nécessite aussi des réponses données à l'oral, puis de l'élaboration sur le plan verbal, ce qui peut être difficile pour les personnes autistes. OK? Moi, mon point, c'était pas de dire qu'ils sont pas bons à ce test-là. Mon point, c'est de montrer l'écart entre les deux. L'écart qui montre, encore une fois, un profil de force et faiblesse beaucoup plus marqué que chez les autres enfants, puis qui montre leur capacité au niveau de ce type de raisonnement-là. OK? C'est ça. Donc, je reviens à ma question de à quelle vitesse font les matrices de Raven. Parce que les matrices de Raven, c'est pas un test à la base, c'est pas un test qui est chronométré, il n'y a pas de temps limite. Si vous voulez passer une heure à regarder le problème pour essayer de le résoudre, vous pouvez. Ça va vous coûter plus cher de psychologue si vous allez en privé, parce que votre évaluation va prendre plus de temps, mais vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez. Puis, donc, nous, quand on faisait passer les matrices de Raven aux enfants, ben on n'avait pas tendance à chronométrer parce que on n'en tient pas compte dans le score. Donc, comme moi, comme clinicienne, je me suis jamais rendu compte que les enfants autistes allaient si plus vite que les autres enfants, jusqu'à temps que je fasse une étude où j'avais mis les matrices de Raven à l'ordinateur, puis où là, mon logiciel enregistrait de lui-même le temps de réponse des participants. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand, pour les problèmes très, très faciles, il n'y avait pas de différence de temps de réponse entre mes groupes, mais plus le raisonnement devenait complexe, plus les autistes étaient rapides par rapport aux autres participants. Ici, on a une différence de 42 % là, dans le temps de réponse. C'est pas rien. Les autistes étaient... même la complexité, l'effet de la complexité sur le temps de réponse était beaucoup moins grand chez les personnes autistes que chez les personnes non autistes. Ça, c'était chez des adolescents puis des adultes. Bon. Là, encore une fois. Ah oui, c'est ça. Donc, de ce profil-là, puis ces capacités-là en raisonnement, découlent plusieurs questions qu'on peut se poser. C'est quoi les mécanismes cérébraux qui sous-tendent ces capacités-là en raisonnement? Est-ce qu'on peut trouver des réponses de ce côté-là sur comment ils y arrivent à faire, à résoudre des problèmes comme dans les matrices de Raven? On peut se demander aussi si ces capacités-là en raisonnement se retrouvent dans tout le spectre de l'autisme. Parce que les premiers travaux qu'on a faits, c'était avec des enfants qui étaient par ailleurs verbaux
puis qui était capable de s'asseoir pour répondre à mes tests pendant une demi-heure, 45 minutes. Okay? Donc, est-ce que ça s'applique à tout le spectre de l'autisme? Donc, à des enfants qui seraient non-verbaux, donc qui ne développeraient pas le langage oral? Puis, au niveau développemental, est-ce que c'est présent tôt dans le développement ou c'est quelque chose qui apparaît en vieillissant, ces capacités-là? Fait qu'on s'est posé, c'est le genre de questions qu'on se pose dans mon labo, puis qu'on est en train d'essayer de répondre. Si on commence avec la première, c'est quoi les mécanismes cérébraux qui sont impliqués? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté les matrices de Raven pour les présenter dans un appareil d'IRM, là, d'imagerie par résonance magnétique. Puis donc, on a fait faire le test aux participants pendant qu'on enregistrait leur activité cérébrale. Ici, on a l'activité de nos participants typiques, puis ici, l'activité de nos participants autistes. Ce qu'on voit dans les deux groupes, c'est que le réseau qu'on associe habituellement aux capacités de raisonnement fluide est activé. Donc, tout ce qui est, je vous montre ici, là, un réseau qui est frontopariétal, qui est activé, puis il y a beaucoup d'activation aussi dans les lobes occipitaux. Fait qu'on voit que, en gros, les deux groupes semblent utiliser les mêmes réseaux pour résoudre les matrices de Raven. Ça, c'est une question qui nous avait été posée par des reviewers. Ils disaient, ben là, ça se peut pas qu'ils performent bien aux matrices de Raven, vos autistes. Ils doivent avoir un truc. Ils doivent pas faire le raisonnement. Ils doivent avoir un truc pour arriver à la réponse. OK? ce qui m'avait fait dresser les cheveux sur la tête, là, pour certains reviewers, c'était impossible qu'ils puissent résoudre une tâche complexe, comme l'est les matrices de Raven. En tout cas, bon. Donc, déjà, cette image-là, j'aime ça la montrer pour dire ben ils ne résonnent pas avec leurs pieds. Ils font la tâche eux aussi. Ça ne semble pas être un truc parce qu'ils activent les mêmes réseaux pour y arriver. OK? Ensuite, si on va plus loin puis qu'on compare à l'intérieur de ce réseau-là le niveau d'activité dans les différentes parties du réseau. Okay? Si on compare ça entre les deux groupes, ce qu'on voit ici, c'est les zones où le niveau d'activité diffère entre mes deux groupes. Ce qu'on voit, c'est que chez les autistes, c'est des régions dans les aires visuelles extrasensorielles qui sont plus actives. Puis, chez mes non-autistes, c'est des régions au niveau du gyrus frontal moyen en avant, puis du précuneus, qui sont du... voyons, du, en tout cas, oui. C'est ça, non? Du pariétal postérieur médian qui sont plus activés. Puis, si on va décortiquer, là ici, moi, c'est ces régions-là ici, parce que c'est des régions de perception visuelle, c'est ces régions-là qui m'ont intéressé, les régions qui étaient plus actives chez mes participants autistes pour essayer de comprendre sur quelle stratégie ils s'appuient, sur quel processus ils s'appuient pour résoudre les matrices de Raven. Je suis allée voir ici, pour les différents types de problèmes que j'avais, qu'est-ce qui se passe chez mes participants. Quand le raisonnement est très facile, mes participants non-autistes, mes participants typiques, utilisent ces régions-là de perception visuelle, mais plus le raisonnement devient difficile, moins ils ont tendance à les utiliser. Ils vont plus aller utiliser, j'ai pas le graphique ici, mais ils vont plus aller utiliser des régions dans le lobe frontal qui sont associées à la mémoire de travail, puis au testing d'hypothèses plus explicites, alors que mes participants autistes, eux, continuent d'utiliser ces zones de perception visuelle-là presque autant, même quand le raisonnement devient plus complexe. OK? Fait que ce qu'on voit, c'est que à mesure que ça se complexifie, les participants autistes continuent d'utiliser leur capacité de perception visuelle. Pas uniquement. Ils ont de l'activité aussi dans les lobes frontaux, évidemment, mais ça a une place prépondérante par rapport à nous. Puis, les personnes non-autistes, elles,
utilisent des stratégies plus perceptives pour résoudre, mais rapidement deviennent dépassés, puis c'est juste switch, là, mais change pour des stratégies plus explicites. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué pendant que vous essayez de faire les matrices de Raven, mais on a tendance à se parler, puis à dire des choses, à dire « Ah oui, là, ça change, là, ah, là, il y en a quatre, trois, puis ah oui, il faut qu'il y en ait, donc il faut qu'il y en ait trois, donc à tester vraiment explicitement, presque verbalement, des hypothèses pour résoudre les matrices de Raven. C'est ça. Donc, ce que je viens de vous dire, les aires perceptives semblent contribuer davantage au raisonnement chez les personnes autistes que chez les personnes non autistes. Ah oui, c'est ça. Bon, alors, un peu après avoir publié cette étude-là, on a fait une méta-analyse de toutes les études qui avaient été publiées en IRM, donc en résonance magnétique, auprès de personnes autistes. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était pas juste dans notre tâche de raisonnement que les personnes autistes avaient une plus grande activité au niveau perceptif. Ça se retrouve, on le voit ici en orange, là, ça se retrouve dans tout type de tâches qu'on peut donner, que ce soit une tâche de reconnaissance d'expression faciale, une tâche de lecture de mots, une tâche de recherche visuelle. Tout type de tâche est susceptible d'amener une plus grande activité au niveau perceptif chez les personnes autistes. Donc là, on peut se demander, est-ce que l'activité qu'on a observée est spécifique au raisonnement ou c'est juste un genre d'artefact d'activation chez ces personnes-là. Qu'on est retourné faire d'autres analyses dans nos données pour essayer de voir est-ce que l'activité perceptive contribue réellement au raisonnement chez ces personnes-là. ce qu'on voit ici, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est que chez les autistes, l'activité dans les lobes occipitaux augmente à mesure que le raisonnement devient plus complexe. Puis c'est pas le cas chez les personnes non autistes. Puis avec ces régions-là, ensuite on est allé faire des analyses de connectivité fonctionnelle. Donc on a regardé, c'était des analyses de connectivité fonctionnelle en fonction de la complexité du raisonnement. On a regardé si la communication, la connectivité fonctionnelle, ce que c'est des analyses qui regardent la communication entre différentes régions cérébrales. À quel point deux régions, le niveau d'activité dans deux régions covarie. Okay? Est-ce que l'activité dans ces régions-là est synchronisée ou non? Puis quand l'activité semble synchronisée dans deux régions, mais on peut supposer que ces deux régions-là se parlent et communiquent entre elles. Okay? Puis, ce qu'on a trouvé, c'est que, ici, on a... Bon, attendez, là. En bleu, c'est les ben, en vert, je recommence au début. En vert, c'est la région qu'on prenait comme cible, comme source, mettons, pour aller voir avec quelle région cette région-là communique, avec quelle région elle se synchronise. Puis on regardait seulement les régions où la synchronisation entre deux régions augmente en fonction de la complexité du problème. Parce que si la synchronisation entre deux régions augmente en fonction de la complexité du problème, on peut penser que ces deux régions-là participent vraiment à la résolution du problème parce qu'elles sont elles se synchronisent de plus en plus à mesure que ça devient difficile. OK? On avait une source en pariétal, une source en frontal, puis une source en occipital. On avait pris les régions qui étaient les plus actives pendant la tâche de matrice de Raven. Puis, en bleu, on a toutes les régions où l'activité se synchronisait plus chez les participants typiques que chez les participants autistes. Puis, en rouge, ici, on a les régions qui se synchronisaient plus chez les participants autistes que chez les participants typiques. Puis, ce qu'on voit, c'est que les régions qui se synchronisent plus chez les participants autistes, c'est uniquement quand on met notre source dans les régions
perceptive des régions occipitales. Okay? Donc, en gros, ce qu'on peut voir, c'est la modulation de la connectivité en fonction de la complexité du raisonnement est beaucoup moins grande chez les autistes que chez les non-autistes, parce que vous voyez un peu partout, là, c'est beaucoup plus bleu que rouge. Là. Donc, il y a moins de modulation de la connectivité fonctionnelle en fonction de la complexité chez les autistes. Mais les régions où la modulation de la connectivité est plus grande chez les autistes sont toutes reliées au lobe occipital. Donc, ce qui nous fait conclure que... Ah, j'ai oublié de traduire la fin. Bon. Je pense juste en anglais maintenant que je l'ai lu, que le fait que les autistes s'appuient sur la perception, ça semble vraiment contribuer à leur capacité de raisonnement. Okay? Donc, la perception, leurs aires perceptives semblent, l'activité plutôt dans ces aires-là, semble vraiment contribuer à la résolution de problèmes chez eux. Puis, elle semble vraiment importante même quand la complexité du raisonnement augmente. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je vous avais... Oui? Je veux savoir, dans votre étude, les groupes, c'était quel était le profil dans les spectres? Les participants? Oui. C'était des adolescents et des adultes, jeunes adultes, autistes, avec un diagnostic d'autisme, pas un diagnostic de syndrome d'Asperger, parce que là, cette étude-là, c'était avant DSM-5, là, il y avait encore deux diagnostics. Donc, ils étaient autistes, donc ils avaient présenté un retard de langage ou vraiment des particularités importantes dans l'acquisition du langage, comme de l'écolalie, comme... Ils n'étaient pas dans le retard? Non, eux, quand on les a évalués, ils avaient tous un QI Wechsler dans la normale. Donc, un QI en haut de 70. Puis, on avait mis cette limite-là parce que il fallait leur faire comprendre pourquoi on les mettait dans une machine d'IRM, puis l'importance de ne pas bouger, puis tout ça, l'importance de demeurer immobile pendant une heure. Puis, il y avait aussi les questions. On n'était pas sûr que ça marcherait au départ, ce projet-là, parce que dans un appareil d'IRM, on est confiné. Puis, on doit immobiliser la tête. Donc, c'est comme on met un peu la tête dans un étau. Mm-hmm. Fait que pour certaines personnes autistes, ça peut être difficile. Okay? Même pour des personnes non autistes, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller dans une machine d'IRM. Vraiment pas tout le monde. Donc, on faisait beaucoup de... On expliquait vraiment bien avant que le participant se rende sur place. Puis, si le participant avait des doutes sur... On disait, ben, tu sais... Combien d'enfants ont participé ou des adultes, des jeunes? Dans cette étude-là, il y avait... au final, il y avait... On a gardé 15 participants. Il y en a plus qui ont été scannés, mais on a gardé 15 participants... Non. 15 participants autistes, puis 18 non-autistes. Ouais, typique. Ouais. C'est ça. Mais il devait en avoir au moins 25 qui ont été scannés pour ce projet-là. Peut-être juste terminer la conférence. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ta conférence et on la met sur le site. Ah oui, OK. Avant la période de questions, c'est la raison pour laquelle on essaie d'accord. De faire les deux. OK. On n'a pas la permission de tout le monde ici de vous mettre sur Internet. Donc. OK. Bon. Donc, je vais répondre aux questions à la fin. Donc, ça fait le tour pour, un petit peu le tour pour ma première question qui était quels sont les mécanismes cérébraux impliqués? Là, en ce moment, on est en train de refaire la même chose, mais au niveau développemental. Donc, on scanne des enfants autistes puis des enfants typiques, puis on veut les suivre pendant quelques années pour voir comment ça se développe au niveau des mécanismes cérébraux. Mais on en est au tout début parce qu'on vient d'avoir une partie de notre financement. Ça s'en vient, on travaille là-dessus. Deuxième question, je vous avais dit, donc, mécanismes cérébraux, je vous avais dit, est-ce que les capacités de raisonnement puis le profil cognitif sont
que je vous ai montré au départ, est-ce que c'est représentatif de l'ensemble du spectre de l'autisme ou c'est spécifique à ceux qui, comme les participants que j'ai mis dans le scanner, ceux qui ont développé le langage, puis qui ont un Key-Wechsler dans la normale. Donc, ce qu'on est allé voir, c'est chez des enfants autistes non-verbaux ou minimalement verbaux. Donc, des enfants autistes qui sont dans des écoles spécialisées pour enfants autistes, des écoles que je dirais des écoles de la dernière chance. Donc, quand l'enfant ne peut ni intégrer en classe régulière, ni même dans une classe spécialisée dans une école régulière, il y a ensuite des écoles spécialisées où on envoie les enfants autistes qui ne fonctionnent pas en école régulière, qui ne parlent pas ou qui ont donc qui n'ont pas du tout de langage oral ou qui disent, nous, notre critère qu'on a mis, c'était moins de 5 combinaisons de 2 mots fonctionnels. Okay? Donc, c'est des enfants qui utilisaient quelques petits mots pour communiquer, mais vraiment pas beaucoup. Okay? Puis c'est des enfants qui étaient tous considérés comme par le milieu éducatif là, comme ayant une déficience intellectuelle. Okay? Puis c'est des enfants qui ne pouvaient pas... C'est des enfants de 6 à 12 ans, là, donc de niveau théorique primaire. Qui ne pouvaient pas être évalués avec les tests standards comme les échelles de Wechsler. Là, ils étaient considérés intestables et donc, pour le milieu, intestable égale déficience intellectuelle. OK? Puis, ben Valérie, Valérie Courchaine, elle a travaillé très, 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 très fort pour essayer d'aller évaluer ces enfants-là pour voir s'ils avaient des capacités qui pouvaient passer inaperçues pour leur milieu. OK? Donc, on a utilisé, entre autres, une version encastrable des matrices de Raven. Parce que dans le test des matrices de Raven qu'on a regardé tout à l'heure, là, que je vous ai fait faire le problème, il faut soit dire le chiffre pour indiquer notre réponse ou pointer la réponse. Mais chez ces enfants-là, plusieurs n'étaient pas capable de pointer, ne comprenait pas que pointer veut signifier avait pas acquis la compréhension que c'est un moyen de communiquer à l'autre nos intentions. Le pointage, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une version où ils peuvent prendre la pièce puis aller la mettre. Okay? Donc, même s'ils ne comprennent pas nos instructions orales, ils comprennent assez, plus facilement, ils doivent aller mettre la pièce pour répondre. Okay? On leur a fait un petit entraînement pour qu'ils comprennent que c'était ça qu'on voulait qu'ils fassent, puis qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser toutes les pièces, seulement une. Mais on y est arrivé. Puis, on a fait passer ce test-là. On a aussi essayé de faire passer des tests perceptifs, des tâches perceptives, pour lesquels il y a une littérature scientifique qui nous dit que les personnes autistes sont souvent meilleures que les autres. On s'est dit, toute la littérature scientifique est basée sur des personnes autistes sans déficience intellectuelle, puis est-ce que ces capacités-là en perception se retrouvent aussi chez les enfants autistes non-verbaux? Donc, on a fait passer une tâche de recherche visuelle. Donc, ici, la tâche, c'est de retrouver la cible parmi un ensemble de distracteurs le plus vite possible. Ça, les enfants ont trouvé ça bien, bien le fun, super motivant. Leur professeur en était assez surpris. Puis aussi, une tâche de recherche de figures cachées. Donc ici, on doit trouver la figure parmi un dessin qui est significatif. Puis nous, on n'est pas très bon pour y arriver en général parce qu'on se laisse prendre par la signification du dessin. Je ne sais pas si vous avez trouvé où il va, là. Ici, là. Ça, c'est un facile. Je vous en donne un autre. Il est assez facile, lui aussi. J'ai pas d'exemple difficile, mais il y en a des plus difficiles. Ici, là, oups, en tout cas. Là. OK. Bon. Ce qu'on s'est rendu compte, donc on avait 30 enfants,
30 enfants autistes non-verbaux ou minimalement verbaux. Puis, ce qu'on a pu montrer, ça c'est aux matrices de Ravenne, c'est que pour 65% de ces enfants-là, ils avaient une performance aux matrices de Ravenne dans la normale. Okay? Donc, un potentiel de raisonnement intact. Okay? Il y avait, parmi les 30 enfants, il y en avait 4 qui étaient non évaluables, soit qu'ils ne comprenaient pas, même malgré les efforts pour leur expliquer la tâche, soit qu'ils ne comprenaient pas, ou plus probable. Des enfants trop anxieux pour la situation, puis les nouveaux, on était des nouvelles personnes dans leur environnement, puis qu'on n'arrivait pas à les évaluer. Il y en avait 9 qui ont compris qu'est-ce qu'on attendait d'eux, mais qui n'étaient pas capables de faire la tâche, qui avaient une performance en bas du 5e percentile, donc c'est considéré au niveau, ce serait déficitaire, là, donc niveau déficience intellectuelle. Mais il y en a 65%, si vous faites 30 moins 9 moins 4, c'est 17, qui avaient une performance dans la normale. Ici, c'est la moyenne des enfants de leur âge, puis ici, c'est en haut de la moyenne des enfants de leur âge. OK. Aux matrices de Ravenne. OK. Donc, c'est quand même impressionnant parce qu'ils sont tous dans une école où ils sont considérés comme ayant une déficience intellectuelle. Puis, quand on leur a fait passer nos tâches perceptives, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ceux qui avaient bien performé aux matrices de Ravenne présentaient les mêmes forces sur le plan perceptif que les adultes autistes présentent, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi rapides que les contrôles pour faire la recherche visuelle, puis plus rapides que les enfants typiques pour faire la tâche de figure cachée. Donc, les habiletés de raisonnement semblent intactes chez un certain pourcentage des enfants autistes minimalement verbaux. Puis, on observe chez ces mêmes enfants-là des habiletés de perception, de bonnes habiletés de perception qui sont corrélées avec leurs habiletés en performance. Ce qui nous fait dire que cette espèce de profil-là de raisonnement semble caractéristique de tous les niveaux de fonctionnement dans le spectre de l'autisme, donc pas juste les enfants puis les adultes qui ont de bonnes performances et le langage, là, chez les enfants autistes non-verbaux aussi ça se retrouve. Puis la perception semble aussi jouer un rôle particulier chez ces enfants-là parce qu'ils performaient beaucoup mieux dans nos tâches perceptives que leur niveau d'habileté intellectuelle pouvait laisser présager. Donc, rapidement, ça c'est un projet en cours, chez les très jeunes enfants, est-ce qu'on retrouve ce même profil-là? Okay? On a une étude en cours où on teste des enfants autistes dès le moment du diagnostic, entre 2 et 5-6 ans. Donc, dès qu'ils sont diagnostiqués, on leur propose d'avoir des rencontres d'évaluation supplémentaires, puis on va les suivre pendant quelques années pour voir comment ça évolue chez ces enfants-là. C'est encore Valérie qui est responsable de ce projet-là. Oui, donc, résultat préliminaire que je vous montre en primeur. Là, je n'ai pas une belle version de mon graphique, mais en tout cas, ici, on a c'est le Mullen, c'est une échelle de développement, OK, où ils ne performent pas très bien, OK. On a l'échelle de Wechsler, OK, c'est des enfants de 2 à 5 ans. Puis là, on n'a fait aucune. On a pris tous les enfants qui sont diagnostiqués à la clinique spécialisée à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Là. Donc, aucune. On ne fait pas de sélection d'enfants qu'on voudrait parfaits ou qu'on voudrait. Enfants qui parlent, qui ne parlent pas, qui ont des problèmes de comportement, que n'importe quoi. Ils étaient acceptés dans notre étude. Ça, c'est leur performance aux échelles de Wechsler. Et ici, c'est leur performance aux matrices de Ravenne. En castrant. OK? L'écart est quand même assez spectaculaire. Donc, déjà très tôt chez le jeune enfant, l'espèce de profil caractéristique qu'on retrouve chez les personnes autistes est là. Puis, j'ai pas les diapos avec moi, mais on retrouve aussi des forces sur le plan perceptif chez ces enfants-là. Pas
pas de manière spectaculaire, mais c'est déjà là chez les tout-petits, puis ça semble évoluer chez les plus vieux, là, mais ça se met déjà en place chez les tout-petits. Donc, déjà à l'âge préscolaire. Puis là, il est quelle heure? OK. Bon, je termine avec comment on peut... Parce que là, je vous ai montré qu'ils avaient des forces au niveau du raisonnement. Je vous ai montré un petit peu les mécanismes cérébraux qui font qu'on pense que c'est quelque chose au niveau de la perception qui entre en ligne de compte. Mais est-ce qu'on a d'autres hypothèses, d'autres idées sur comment expliquer ces forces-là en raisonnement? Si on regarde une planche de matrice de Raven, puis ça c'est un faux exemple, c'est pas une vraie matrice de Raven. Ce qu'on voit dans ce test-là, parce qu'on se dit, ben s'il performe si bien à ce test-là, il y a peut-être des caractéristiques du test qui sont particulièrement bien pensées pour les autistes ou qui sont optimales pour leur façon de résoudre des problèmes, pour leur façon d'apprendre. Puis on pourrait s'inspirer de ça pour leur créer d'autres situations d'apprentissage qui serait favorable pour leurs apprentissages. Donc, si on regarde une planche de matrice de Raven, ce que je remarque, c'est bien, premièrement, le test se passe d'instruction orale puis de réponse orale. On n'a pas besoin de passer par le langage, ni pour comprendre la tâche, ni pour la résoudre. Ensuite, le matériel est organisé et structuré. Tout ce qu'on a besoin pour répondre à la tâche est là. On n'a pas besoin de faire d'inférences sur des connaissances qu'on aurait déjà, sur des choses qu'on aurait apprises ailleurs. Comme par exemple, quand je vous demande qu'est-ce que tu dois faire s'il y a du feu qui sort de la fumée qui sort de la maison de ton voisin, bien, tu as besoin de faire des inférences sur des choses que tu as apprises à gauche, à droite, à la télé, à l'école, papa, maman. Il faut mettre ensemble plein de choses que tu as apprises dans des contextes différents. Là, tout ce que j'ai besoin pour résoudre est là. OK? Puis, un autre élément que je trouve important, c'est que toute l'information est présentée déjà structurée. Puis, la tâche de l'enfant ou de l'adulte, c'est de comprendre cette structure-là puis de l'appliquer pour trouver la réponse. Puis là, bien, c'est juste une hypothèse, là, mais moi, je pense que ça, c'est un élément important qui fait que les personnes autistes performe bien dans ce test-là. Puis si on pouvait arriver à reproduire ce type de situation-là, je pense qu'on les aiderait dans leurs apprentissages. Donc, présenter une structure dont ils doivent essayer de comprendre la logique puis de l'appliquer. C'est la même chose quand un autiste développe des capacités en musique. Il comprend la structure de la musique, ce que moi, je ne comprends pas du tout. Mais je peux vous donner d'exemples super précis, mais... Donc, pour comprendre la musique, ben il faut comprendre des patterns qui se répètent puis des structures musicales qui reviennent dans une pièce puis dans un type de musique puis les appliquer. Il y a des personnes autistes qui composent la musique puis qui sont très bonnes pour le faire parce qu'elles comprennent bien comment jouer avec les structures de la musique pour arriver à faire quelque chose de mélodieux. C'est la même chose pour apprendre à lire. On a un alphabet d'un nombre fini de lettres, puis on fait des combinaisons avec ces lettres-là, puis il y a des combinaisons de lettres qui reviennent souvent, des combinaisons de lettres qui ne reviennent jamais, puis on joue avec ça pour faire des mots. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles ils réussissent à apprendre par eux-mêmes, parce qu'ils sont bons pour comprendre les structures. OK? Puis je vous donne En deux minutes, je vous donne une étude qu'on est en train de faire en ce moment. C'est une autre de mes étudiantes, Anne-Marie, qui fait ça. Puis on s'est demandé, est-ce que le fait que tout le matériel soit là, est-ce que c'est un facteur qui fait que les autistes apprennent bien ou, par exemple, dans les maîtrises de Rasmussen, réussissent à résoudre le problème? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de leur faire apprendre du nouveau matériel, puis de voir, selon la façon qu'on leur présentait le nouveau matériel, est-ce qu'ils apprenaient plus ou moins bien. OK? Fait que je vous montre, c'est avec des enfants, donc c'était un petit peu ludique, on leur disait, bon, imagine une fois que tu as un comptoir à crème glacée, puis tu dois essayer d'apprendre quel client aime mieux la crème glacée au chocolat ou à la vanille. Donc, tu dois essayer de comprendre
pourquoi certains comme lui préfèrent la crème glacée au chocolat et d'autres préfèrent la crème glacée à la vanille. Donc, selon les caractéristiques du monsieur Patate, il y a moyen de savoir, de deviner s'il va préférer une sorte de crème glacée ou l'autre. OK? Donc, on a comparé plusieurs façons de présenter du matériel, mais je vais vous en parler juste de deux. Soit qu'on présente de façon classique dans les tâches d'apprentissage, c'est ça qui est fait, c'est qu'on... Ça va bien? on présente un monsieur patate à la fois, évidemment sans son cornet, parce que là, la tâche devient facile, là, mais on présente un monsieur patate à la fois, puis on dit « Est-ce qu'il aime mieux le chocolat ou la vanille? » Puis là, l'enfant répond « Chocolat », puis on dit « Oui ou non, feedback », on continue. Donc, toujours un item à la fois. OK? Puis on a contrasté ça avec une manière de leur faire apprendre où ils voyaient tous les monsieur patates possibles. Donc, ils voyaient tout le matériel possible à la fois, puis ils essayaient de faire de les classer en vanille et chocolat. Puis là, on leur disait « Ah non, lui, il va là, lui, il va là. » Bon. Puis là, ils recommençaient. OK? Puis, j'ai pas le graphique avec moi, mais chez les enfants typiques, qu'on prenne une situation ou l'autre, ça avait peu d'effet. Par contre, chez les enfants autistes, dans cette situation-là, ils ont beaucoup mieux appris que dans la situation où on présentait les monsieur patate un à la fois. Donc, on pense que le fait de présenter toute l'information, de l'avoir disponible tout en même temps pour pouvoir voir ce qui revient d'un monsieur patate à l'autre, finalement, ça semble vraiment bénéfique pour les personnes autistes. Okay? Puis c'est un peu la même chose qui se passe dans les matrices de Raven. On a toute l'information, puis on peut jouer avec pour trouver la réponse. Okay? Donc, ça, c'est une piste de réponse, mais on n'en est pas... On n'a pas encore... pas encore la réponse définitive à vous donner. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent bien en raisonnement? Je termine avec deux autres citations. Une encore de Canard qui dit que les enfants autistes étaient très, très difficiles. C'était très, très difficile de leur enseigner, mais que de leur enseigner de manière conventionnelle, mais ils apprennent. Tout en résistant à l'enseignement, mais ils apprennent par eux-mêmes. Puis moi, ça me fait penser aux résultats de nos études où, tu sais, quand on le fait de la manière classique, en présentant une chose à la fois, ça marche pas du tout. Mais quand on les laisse jouer avec le matériel puis y aller à leur façon, on obtient de meilleurs résultats. Puis la dernière citation, c'est une femme autiste qui dit à peu près la même chose, qui dit... Quand j'apprends, je fonctionne mieux si je commence avec une grande unité d'information que je break down, que je partage moi-même à mesure que je la comprends. OK? C'est ça. Ça, c'est quelque chose je vous en ai rapporté une, mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé quelquefois dans les écrits de personnes autistes sur quand elles réfléchissent à leur façon d'apprendre. Puis je pense que le fait de je pense que de regarder comment eux pensent apprendre, je pense que ça peut nous donner des pistes sur comment mieux leur enseigner. C'est tout. Je vous remercie.